Salut à tous les amis, c'est Simucox. Donc aujourd'hui, une petite vidéo sur l'iOS 6.1, l'iOS 7, la nouvelle, le nouveau iOS. Donc là, je fais une partie sur mon iPod et la deuxième partie, on la fera sur l'ordinateur. Comment télécharger sans un compte développeur. Donc vous pouvez voir que carrément, carrément toute l'interface a changé. Sauf les jeux, bien évidemment, mais carrément, tout est beaucoup plus simple, je trouve. Et on a toujours les modes notifications avec une nouvelle chose, donc c'est classé par application, donc la bourse, etc., la météo, le jour. Et donc, on peut voir que derrière, en fond, on a les icônes. Donc, les icônes ont carrément changé. FaceTime, par exemple. Donc, là, on a les appels, les favoris, les appels. Ça ne change pas. Les contacts, comme d'habitude, voilà. Hop. On a le calendrier qui a un peu changé. On a un mode calendrier, réception, on a include, calendrier, personnel, travail, anniversaire, etc. Donc là, on a les jours. Donc on peut voir que samedi, dimanche, ils sont pas de la même couleur par rapport au jour de la semaine, voilà, etc. Hop. Ensuite, vous avez vous avez les mois. Janvier, février, mars, avril. Et ensuite, vous avez les années. Donc ça, je trouve que c'est assez sympa. Hein, parce que là, on a toute l'année. Je trouve que c'est sympathique. Voilà. Voilà. Pour le calendrier, hein, je trouve que c'est sympathique 2014 d'avoir cette grande réception. On peut voir aussi que la barre d'en haut où il y a iPod. Bah, là, je suis sur mon iPod 5. On peut voir que ça a changé un peu. Avant, on avait une barre noire qui marquait l'iPod, etc. Et maintenant, dès qu'on va sur une application, elle change de couleur. Donc, elle devient noire, elle devient... Voilà. Ensuite, en passant dans les photos. Alors, dans les photos, voilà ce que ça donne. On a l'album où on a les photos, la pellicule, etc. Les photos, voilà, tout ça. Ensuite, on a... on a l'appareil photo. Donc là, encore plusieurs petits modes. Donc on a la vidéo, voilà, avec le bouton rouge, la photo normale, voilà, le un peu plus petit, le square, et la photo panoramique. Donc je pense que tout le monde connaît. Hein. Puis là, on retourne sur les photos. Voilà. Tac. Donc ensuite on a les vidéos avec encore un icône un peu plus simplifié. Donc voilà, donc avec tous les films que j'ai achetés, bien évidemment. Les séries. Donc ça bug un peu, hein, parce qu'on est sur la bêta numéro 1. Et voilà, donc on a ça, les musiques, voilà. Des trucs sympathiques. Donc on peut voir que les icônes ont changé. Un peu, sont plus simplifiées, sont... Hop, quand on va sur plan, donc on peut. Voilà, donc on a la. Donc là on est en 3D, je crois. Voilà, là on est en 2D. Hop. Donc là ici, quand vous cliquez. On va cliquer sur. Lyon. Donc vous pouvez voir aussi que la barre des. La barre des pour l'écriture a aussi changé, donc on peut voir qu'on peut changer. Donc non. Donc on peut avoir des petits trucs sur Lyon. On peut faire une note, on peut créer un nouveau contact avec, ajouter un contact, voilà, où ils habitent, etc. Voilà, donc quand on agrandit, on peut. Hop. Enfin, faut agrandir avec les deux doigts. Touc. Voilà.
un survol. Ah, voilà, j'ai trouvé enfin l'effet 3D. Donc vous pouvez voir qu'on voit les bâtiments. C'est très très bien fait, hein. Regardez. On peut presque voir le bâtiment de très près. Voilà. Alors, on a AirDrop, donc ça sert à envoyer depuis son iPod, iPhone, iPad, etc. Pour tous les produits Apple que vous avez. Hop, si on appuie là. Donc là, on fait un départ, on va dire Paris, Paris des Princes, Paris France, suivant. Donc là, hop, avertissement de sécurité. Faites preuve de prudence et faites attention à la route, les conditions et les itinéraires. Ok, d'accord. Donc on peut voir là qu'on a toujours à peu près la même fonction. On a trois itinéraires. Hop. On a trois itinéraires. Le plus court, le médium et le plus long. Donc c'est deux trucs que vous pouvez choisir et puis ensuite vous avez plusieurs modes. Donc mince, non, bêtise. Donc quand vous avez appuyé sur i, vous pouvez voir qu'on a on a le standard, donc qui va faire voilà la carte de France. On a le mix qui va faire voilà les routes, tout ça. Et ensuite, vous avez le satellite. Voilà. Et le 3D pour. Voilà. Bon, c'est tout ce que je peux dire sur ce petit surplan. Alors, la météo. Donc, nouvelle interface, hein, reprenant Yahoo. Donc, on peut voir qu'à Rouen, belles éclaircies. Donc, il fait beau jusqu'à tout le temps. Et puis après, il fait nuit. Voilà. Paris, Rouen, Paris. Paris, on peut voir qu'il fait beau, nuageux. Nice, nuage. Ah, dommage, on n'a pas la pluie. On va peut-être la trouver, attendez. Plus. Où est-ce qu'il pourrait pleuvoir? À Bordeaux. Pas mince. Donc on peut voir que ça écrit gros, ça on peut changer. Bordeaux validé. Aquitaine. Ah non, il fait beau aussi à Bordeaux. Donc on peut voir qu'il y a des petites taches de luminosité, hein. Ça c'est fait par Apple, je trouve ça très sympathique. Ensuite nous avons Passbook, que je crois que vous connaissez, hein, pour avoir tout ce qui est musique, pour aller voir des concerts, etc. Vous pouvez passer par là, etc. Bon, moi je l'utilise pas parce que ça me sert à rien, mais c'est pour ceux qui aiment bien, ça peut leur servir. Ensuite, nous avons Note. Donc Note a carrément changé. Donc là, on n'a plus les petites lignes, hein, carrément. Vous tapez le texte Goodrocks Gaming. Donc on a aussi Siri. Hein. Bonjour. Bonjour. Voilà. Qui reconnaît un peu mieux la voix. Comment tu vas? Voilà, donc qui reprend, je trouve, un peu mieux le texte, mais le seul problème, c'est que toujours comme la première version de Siri, à chaque fois qu'on dit qu'on coupe, à chaque fois qu'on met un mot, il nous met toujours une majuscule. Ça, c'est pas grave, mais bon. Et puis on peut toujours pas, par exemple, si on va aller sur côté de comment, au M de comment, on ne peut pas. On est obligé de. Ah, ça y est. On est obligé toujours de faire le petit curseur. Enfin, s'il voudrait bien. Voilà, donc je trouve ça très très simple, hein, de la part d'Apple, parce que ils se sont pas formés dans les couleurs, hein, du noir sur du jaune
et du blanc, réellement, ils se sont pas très 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 foulés. Donc ensuite, nous avons Rappel, hein, comme tout le monde le connaît. Donc voilà, on peut trouve ça assez sympathique, parce qu'on peut changer les couleurs. Donc par exemple, on va créer un Rappel, plus, allez. Bon, je n'y arriverai jamais. Bon, il ne veut pas, je ne sais pas pourquoi. Bon, par exemple, si nous allons dans Programmer, on peut changer tout. Hein. Là, c'est quand je veux faire... hop, on peut cliquer là, on peut... Bon, de temps en temps, ça scratch un peu, hein, parce que c'est quand même la première bêta. Bon. Alors, on peut aller dans Autre, donc on peut faire une priorité, donc... On peut changer, on peut mettre une note, on peut mettre des répétés par jour, on peut mettre priorité si je mets ça. D'accord, donc ça met trois priorités. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Ensuite, nous avons horloge. Alors, horloge qui est encore nouveau. Hein. Là, on est à Paris, on peut voir que... Il est 15h58, on peut rajouter une, par exemple on va mettre, New York dans les, New York, voilà, donc New York, on peut voir qu'il est 9h58 du matin, donc on peut voir aussi qu'il y a 6 heures de moins, donc ça c'est pas mal hein, par rapport à notre heure. Si on met par exemple Venise, enlever Venise. Non, il est beau. Bon, si on met Vérone en Italie. Ah, j'ai cliqué sur deux. Bon, donc on peut voir que Varsovie, bah, c'est à la même heure que nous. Pareil pour. Oh, je sais pas. Bah tiens, on va en prendre un. Donc on peut voir que en Abidjan, on a une heure de moins, deux heures de moins par rapport à notre heure. Ah, pour supprimer, vous faites modifier. Truc tout simple. Tac, vous appuyez là, vous appuyez là. Bon, ça bug encore un peu. Hein. Vous voyez que c'est un peu en noir à chaque fois. Mais bon. Ce n'est pas toujours très grave. Hein, parce que... Voilà. Donc ensuite, vous avez les horloges. Donc pour mettre une nouvelle horloge, voilà. On a hop donc on va en mettre une à 16h. Là on va mettre n'importe quoi comme non sonnerie, on va mettre n'importe quoi, on va mettre ça là, enregistrer. Donc vous pouvez voir qu'il s'affiche là en vert, donc maintenant c'est plus en bleu, c'est en vert hein, pour les pour les activer, etc. Vous avez le chronomètre, donc démarrer, arrêter, effacer, voilà, démarrer, tour, 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 tour. Donc voilà que ça s'affiche comme ça. Alarme, rappel, bon, c'est comme l'autre, mais c'est un peu plus basique, car c'est rectangulaire, c'est plus des formes très, 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 comment dire, très fortes, très dures, donc voilà. Donc ensuite, nous avons bah, la bourse. Donc voilà, ça ne change pas. Hein. C'est toujours des formes très rectangulaires. On peut voir que, comme tout à, comme d'habitude, hop, j'avais réussi à l'agrandir. C'est comme d'habitude, hein, c'est toujours Yahoo qui donne ces informations-là. Donc voilà. Bon, là, je suis en... Donc on peut en rajouter des actions à Google, ajouter, voilà, etc. Donc ensuite, nous avons kiosque, je pense que tout le monde connaît. Donc c'est là où vous allez dans Store. Hop, attendez, je vais pas le faire tout de suite, Store. Donc ensuite, vous avez le Game Center. Je vais faire App Store et iTunes après, juste après. Donc dans ceci, vous avez retrouvé des formes très très rondes, arrondies, attendez, hop. Des formes très très arrondies que je trouve assez sympathique. Donc voilà, donc là on peut aller voir les amis, donc vous pouvez voir que c'est assez sympathique les jeux.
Bon, j'ai pas envie non plus de passer. Donc, vous pouvez voir tous les jeux qu'on a. Hop, vous allez cliquer dessus, vous allez avoir tous les. Les gens, etc. Mais bon. Moi, je ne vais pas trop sur le Game Center. Donc, vous avez les défis, etc. Voilà. Donc, je trouve assez sympathique ça. Tac. Donc, ça, c'est le Game Center très rond. C'est un peu comme les photos. Ensuite, on a les réglages. Donc, les réglages, voilà comment ça se trouve, hein. Des formes très très carrées, rectangulaires. Carrées rectangulaires. Donc, on peut voir que quand on met le mode avion, c'est en vert. Quand on l'enlève, il devient blanc. On a toujours le centre des notifications. Le centre du lock screen de la barre d'accueil. Ne pas déranger. Hein. Ça, c'est à peu près tout ce qui est sur l'iOS 6.1.3. On a l'App Store, la musique, à peu près tout ce qu'on connaît, hein. À part Vimeo qui est arrivé, et Flickr aussi, donc Yahoo est maintenant attribué dans cette petite barre. Donc là, on peut retrouver iCloud, on peut retrouver les mails, on peut tout retrouver, donc assez sympathique. Donc ici, on a les informations du logiciel. Donc on peut voir que je vous raconte pas de bêtises, hein, je suis bien en 6, en 7.0, hein, donc je vous mens pas, hein, je suis vraiment en 7.0. Donc voilà, donc on a toujours la même chose. Hein. Donc ensuite vous avez mise à jour du logiciel, je pense pas qu'il va m'en trouver. Voilà, iOS 7, votre logiciel est à jour. On a Siri, hein, comme d'habitude. On a les textes, donc c'est ça que je voulais dire. On peut agrandir, désagrandir les textes. Voilà. Pour les malvoyants, etc. On a les activités, donc VoiceOver, je pense que vous connaissez. Le zoom. Inverser les couleurs, donc c'est du noir. Noir et violet. Rouge fichier à violet. Hop, oh, on voit rien. Voilà. Ah, merde. Là, on peut faire flasher la LED quand on a une alerte, une notification, etc. Bah, c'est nouveau dans l'iOS 7. Voilà. Régler la balance du volume. On a des petites choses comme ça. Voilà. Donc ça c'était réglage. Donc dans les contacts toujours très très simple. On va prendre n'importe quoi. Hop, on va prendre n'importe quoi. Allez, BMW. Donc là on peut voir qu'on peut FaceTime, appeler et on voit rien sur. Donc on peut faire un FaceTime là avec la petite caméra, appeler ou envoyer un message. Voilà, bon, c'est un numéro n'importe comment, c'était pour la vidéo. Donc on peut envoyer la fiche à des amis ou envoyer une ajouter aux favoris. Hop. Ensuite nous avons la calculatrice qui est aussi restylée. Donc on peut faire les calculs, hein, 10 plus 10 égale 20. Et donc hop, si on retourne, voilà comment ça se passe. Avec les entre parenthèses, voilà, un peu tout, hein, cos, tan, tout ce qui est calculatrice pour les professionnels qui utilisent souvent sa calculatrice. Donc ensuite, on va parler des messages. Hein, donc les messages, voilà comment c'est attribué. Donc on appuie sur. Pardon, excusez-moi, je vais juste remplir ça. J'avais pas besoin de le faire. Enfin, je l'ai fait hier, mais je pensais que ça allait tenir. Hop. Désolé. Hop. Connexion. Tac.
Donc voilà. Donc on arrive là-dessus. Donc là, nouveau message, hein. Comme vous pouvez le voir, rien n'a changé, à part le fond qui est un peu plus. Donc par exemple. Okay. Donc, par exemple, là, on va envoyer à n'importe qui. Radi@. Ah oui, mais si je fais ça peut être pas mal. Donc si on fait par exemple bonjour. Puis on va faire le reste avec Siri. Comment tu vas? Ah, ça peut marcher. Comment tu vas? Je sais pas si ça va marcher, petit bug. De temps en temps, ça le fait. Bon. Recherche toujours. Recherche un jour. Comment tu vas? Bon, je sais pas si ça va marcher. Allez, mon petit. Bon, ça marche pas. Hop, ensuite, on fait envoyer. Bon, tant pis, je vais mettre mon adresse. Merde. Je vais mettre mon adresse email à moi. Supprimer. Romain. Voilà. Tac. Envoyer. Là, je vais me l'envoyer à moi. Donc, vous pouvez voir que c'est encore très très. Voilà. Donc, on a en haut. Donc, en haut, comme quoi quelqu'un nous a envoyé un petit message. Donc, là, on l'a. Ici. Donc, bonjour. Donc, moi, j'aurais autorisé. On s'en fout. Salut. Hop, je me réponds à moi-même en fait. Donc vous pouvez voir que c'est des formes très très arrondies. Donc des bulles, hein, très simples. Ce sont pas compliqués la vie. Donc voilà. Donc c'est comme ça. Donc pour prendre une photo, voilà. C'est aussi très 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 rectangulaire. Hein. C'est que rectangulaire. Là-dessus, je trouve qu'ils se sont pas trop compliqués la vie. Alors, ensuite, on va parler des mails. Alors, j'ai pris un mail, un mail. Je jouais à League of Legends et puis j'ai arrêté, donc mon compte ne marche plus, donc ça, c'est pas grave. Donc, on peut voir que les mails, c'est encore quelque chose de très très simple. Avec toujours League of Legends, à Romain, machin. Donc, on peut voir toujours des trucs très simples, très rectangulaires. Voilà. Donc, on peut toujours zoomer, très grand. Hop, voilà. Si vous recherchez nanana, etc. Voilà. Très simple. Réception. Une boîte de réception. Donc toujours pareil. Archive, corbeille, indésirable, envoyé, brouillon. Donc ça c'est ma boîte mail. Ensuite, vous avez la réception, hein, pour aller vite quand vous avez plusieurs boîtes mail. Voilà. Ensuite, nous avons Safari. Safari, une très très grande nouveauté. Donc par exemple, hop, annuler. Voilà. Je voudrais aller sur ma chaîne. Donc Goodrocks. Tac, voilà. Là c'est marqué. Donc voilà, donc très très grande nouveauté. Donc on peut voir que hop, c'est fluide. Donc là il y a toutes mes vidéos. Donc hop. Donc là c'est pour AirDrop. Donc vous pouvez envoyer par message, par email, sur Twitter ou sur Facebook, comment dire, l'URL, et donc ensuite vous pouvez rajouter sur l'écran d'accueil, voilà, sur l'écran d'accueil, donc faire un icône, imprimer la page, copier, etc. Ensuite vous avez les favoris, donc là avec voilà les trucs, les favoris que vous avez. Et donc ensuite vous avez la petite page là, donc très très sympathique. Donc on fait par exemple, on peut faire une page privée, tout conserver, tout conserver, non, plus. Donc là-dessus, faire une page privée, souhaitez-vous fermer, donc là elle est privée cette page. Donc là par exemple, on va retaper Goodrocks. Voilà. Là, on a toujours la page, mais là elle ne sera pas dans les tac, on va faire des plus,
Voilà. Donc, vous avez plusieurs pages. Donc, ça, je trouve très sympathique. Tac. Donc, on peut redescendre, remonter. Je trouve ça assez simple, mais très très sympathique. Donc, là, ensuite, on a sur ce que j'ai sur l'iPad, sur mon iPod Touch, etc. Voilà. Donc, je trouve ça très sympathique. Pour fermer une page, tac, sur la croix. Très simple, très rapide. Et pas très compliqué. Voilà, ça c'est Safari avec une petite boussole. Ensuite, nous allons dans musique. Donc, dans musique, on peut voir que c'est vraiment très simple. En bas, vous avez la barre avec la liste artistes, morceaux, albums que vous pouvez personnaliser. Donc, voilà. Ensuite, vous avez les artistes. Donc, la barre, quand vous êtes dessus, s'affiche en une sorte orangée. Donc sur le côté là vous avez sur le côté vous avez la barre pour aller plus vite, donc très sympathique pour aller vite, les morceaux pareil, l'album pareil, et donc pour comment dire, vous avez juste à appuyer sur le petit nuage qui est là pour comment dire, pour télécharger la musique que vous n'avez pas téléchargé sur votre iPhone, iPad, iPod, etc. Donc ça, c'était musique. Alors ensuite, on va passer à, avant de passer sur iTunes Store et App Store, le centre des notifications. Voilà. Donc on peut voir qu'on a le jour, vendredi 14e jour du mois de juin. Donc actuellement, où on est, deux belles éclaircies, maximum prévu 19 degrés, ce soir minimal prévu 11 degrés. Donc on peut voir qu'on a le calendrier, la bourse, voilà. Ah par contre, je ne sais... Ah non. Donc voilà, on a la bourse, etc. Des trucs... par exemple, si vous avez un mail que vous n'avez pas lu, bah il sera là. Mais bon, là, j'ai pas de... Je ne le fais pas. Donc voilà. Et une nouveauté, enfin deux nouveautés, dans cette iOS 7, quand vous glissez votre doigt vers le bas, vous atterrissez dans Rechercher dans l'iPod. Avant, si vous vous rappelez, vous deviez tourner encore une page pour avoir la recherche. Donc là, vous avez juste à glisser votre doigt vers le bas. Donc là, on va faire par exemple. Rappel. Donc là, voilà, rappel, tac, vous allez dans rappel. Donc assez simple. Bon, bien évidemment, je filme avec mon iPad parce que, comment dire, je ne peux, je n'ai, on peut pas jailbreaker pour l'instant. L'iPod en iOS 7, vu que c'est que une bêta, et vu que jailbreak Evasion, etc., n'a pas encore fait de jailbreak là-dessus. Mais ça va venir quand l'iOS 7 sortira au mois d'automne. Donc ensuite, vous glissez votre doigt vers le bas. Donc vous pouvez voir là le centre des notifications. Un nouveau centre des notifications avec le mode avion, enfin un peu le système Hydroid. Donc, comme je le disais, vu qu'on a été coupé, désolé, comment dire, plusieurs choses. On a la luminosité de l'écran. On a ne pas déranger. Le système verrouillage de l'écran. On a aussi la lampe torche avec la LED. On a le deuxième icône. On a la. Qu'est-ce que. Comment on pourrait appeler ça? On a l'horloge qui est là. Horloge. À côté calculatrice et enfin l'appareil photo. Ensuite, on peut régler la musique de là. Donc voilà, on retrouve un peu le système d'Android. On va quand même rallumer un peu l'écran. Ensuite, on va parler de Apple Store et d'iTunes, les deux
les deux choses, comment dire, les plus importantes pour les applications, etc. Donc on peut voir que encore redessiné, on a les catégories comme d'habitude ici, donc avec tout, finance, etc. qui est un peu jauni. Donc dans le fond, parce que c'est à cause de, j'ai l'impression de ça. Donc si je mets du noir, voilà, c'est ça. Donc ça prend vraiment le fond derrière, donc c'est pas mal. Donc par exemple, si on va dans jeu, voilà. On a carrément les jeux, donc voilà. On a à peu près tout dans les jeux. Bon, c'est dommage parce que c'est sur l'iPad, c'est pas encore très bien redimensionné. Hein. Il y a toujours des petites coupures, mais bon, on n'en veut pas à Apple qui avait fait déjà un très très beau travail. Ensuite, nous avons comme d'habitude le meilleur classement. Donc voilà, le top 100 du classement. Donc payant, gratuit et rentable. Donc voilà, moi, moche et méchant. Avengers, Aliens, etc. Voilà, des petits, les jeux, des trucs, etc. Voilà. Ensuite, on a... alors, ça, je ne sais pas qui est-ce que c'est. C'est quoi? Alors, autorisation de l'App Store. Ok. Ah, d'accord, j'ai compris. Donc, en fait, ceci va vous servir, par exemple, vu que j'habite à Rouen, on a le réseau Astuce, des bus, etc. Donc, on peut avoir l'application gratuitement avec les avis, etc. D'accord, il n'y a plus qu'à appuyer sur gratuit pour avoir, d'accord. Et donc, toujours, on voit toujours le système rectangulaire, hein. Donc, que durée, à peu près rectangulaire. Là, on a la barre de recherche et là, la barre de mise à jour avec l'achat. Donc, pas grand-chose de changer pour l'instant par rapport à l'iOS 7. Alors, pareil pour iTunes, hein, pas de grands changements. Pas énormément de grands changements. Donc voilà, toujours à peu près pareil. Des modes rectangulaires un peu avec des formats arrondis. Voilà, classement... Voilà. Donc toujours des trucs sympathiques. Voilà. Les films ne changent pas, c'est pareil aussi. Donc voilà. Alors je trouve que pour cette bêta, elle est très très simple. Je trouve qu'elle est très très bien faite déjà. Cette iOS 7. Alors d'autres vont dire ah ouais on n'aime pas, c'est ça fait un peu trop simple gamin, mais réellement moi je trouve que hier quand je l'ai j'ai téléchargé l'iOS j'ai dit ouf ça quand j'ai vu sur WWDC le rapport d'Apple par Tim Cook. J'ai dit, oula, ça va être très très compliqué à s'orienter dans ce nouvel iOS parce que vraiment, pour moi, c'est le plus grand changement. Voilà. Bon, encore quelques petits bugs hein, dès qu'on appuie, voilà. Hop, donc ici, on peut directement aller dans la barre des notifications. Donc, pareil, des notifications, ouais, pareil là. Et on peut aller directement dans le système du... Voilà. Donc en haut, on a toujours le système... donc l'heure avec la date. Et pour déverrouiller le téléphone, il y a juste à tourner. Donc on peut voir vraiment un peu de 3D. Non, même pas. Non, on glisse un peu et voilà. Donc les icônes arrivent une par une. Ça, c'est bien fait. Voilà, c'est sûr. Voilà. Donc voilà. Donc pour l'instant, toutes les applications sont disponibles sur iOS 7 et puis bientôt d'autres. Mais je vais repasser en version 6.1. Je vais peut-être repasser en 6.1.2 pour faire des vidéos sur le jailbreak, etc. que j'ai commencé. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ?
Donc abonnez-vous à ma chaîne pour bien évidemment continuer à voir mes vidéos sur la carrière suivie de Need for Speed, la conduite du routier sur ETS2, le let's play de StarCraft, l'émission Une par une fête, et bien sûr aussi tout ce qui est pour le téléphone, pour tout ce qui est jailbreak et iOS 7. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie qui va être sur mon ordinateur pour vous montrer comment télécharger cette iOS 7. Voilà. Donc la première partie, c'est fini. Donc là, je vais refaire bientôt la deuxième partie. Allez, salut. À tout de suite. Eh oui, me revoici, mais là nous sommes sur mon ordinateur après avoir fait la première partie sur l'iPod Touch avec mon iPad. Donc là nous allons faire la partie comment installer l'iOS 7. Donc bien évidemment je vais parfaire tout comme j'ai fait. Donc vous allez dans la description je vais mettre ce lien là. Donc il faudra que vous fassiez un copier-coller sur votre barre. Et donc vous arriverez là-dessus. Alors attendez, plus. Donc si on fait CTRL-C, hop. Donc voilà, donc vous allez tomber là-dessus. Voilà, donc vous allez tomber là-dessus. Je vous conseille de le faire avec Google Earth. Donc ensuite, vous cliquez là. Vous quittez la petite pub. Et ensuite, vous faites Benza ou Importa. C'est comme vous voulez. Donc, soit vous le téléchargez en lien, soit vous le téléchargez et vous l'enregistrez. Donc, voilà. Donc hop, j'en ai pas besoin. Donc je le mettrai dans la description. Donc ensuite, vous allez dans iTunes. Alors dans iTunes, tac, je vais connecter mon iPod Touch 5e génération. Donc voilà. Donc il va vous le détecter. Voilà, voilà, iPod. Hop, on va attendre quelques instants. Donc dans l'iPod, voilà, donc vous pouvez voir que je suis en sous l'iOS 7, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc on peut voir que hop je ne veux pas de la synchronisation. Donc on peut voir que voilà, on a toujours le même numéro de série. On est sous iOS 7. Donc si et donc là, ensuite vous allez faire restaurer l'iPod en premier temps. D'accord. Donc quand vous allez restaurer l'iPod, il va vous remettre à l'iOS 6.3. Et donc ensuite vous allez le refaire une deuxième fois mais en mode DFU. Donc vous appuierez quand votre téléphone sera quand votre iPad, non pas iPad pour l'instant, iPhone 4S et 5 et l'iPod Touch 5e génération pour l'instant peuvent utiliser le logiciel iOS 7. Donc vous appuierez en même temps sur le bouton Start et Home pour et vous attendrez que l'écran soit noir. Puis vous attendrez puis ensuite vous attendrez vous maintiendrez que le bouton Home le temps que iTunes verra que votre téléphone sera en mode DFU. Ensuite vous faites restaurer l'iPod. Donc il vous remettra l'iOS 6.1.3 qui est pour l'instant le logiciel de la nouvelle l'iOS correspondant pour l'instant. Voilà. Donc ensuite vous allez quand vous allez avoir vous allez faire recherche mise à jour. Et quand vous serez sur l'iOS 6.3, vous allez cliquer, vous allez faire Shift ou majuscule pour Mac et vous allez cliquer sur Recherche les mises à jour. Ensuite, vous allez cliquer là et vous allez faire Ouvrir. Donc ensuite, votre iPod va, iTunes va extraire le logiciel 6.1.3. puis il va mettre l'iOS 7. Donc ça se fait sans
Ça se fait sans compte développeur. Mais attention, quand vous allez restaurer votre iPod, iPhone, pour l'instant, vous allez, au lieu de le mettre en, comment dire, au lieu de le mettre en mode, au lieu de le mettre comme quoi c'est faire comment dire, une restauration complète et remettre toutes les applications, vous allez le mettre comme nouvel iPod ou iPhone. Parce que sinon, vous aurez besoin d'un code développeur. Et donc ensuite, vous faites rechercher les mises à jour avec Shift ou majuscule pour Mac et vous arriverez sur, et vous cliquerez sur le petit logiciel ici. Vous faites ouvrir et vous attendez que ça se passe. Donc il y aura une nouvelle pomme qui va s'afficher et l'écran sera blanc sous un fond noir de la pomme. Donc ensuite, ça devrait bien se passer. Et ensuite, vous pourrez le déverrouiller, remplir les petites comment dire le formulaire, hein, vous suivez le formulaire et c'est pas grave quand vous avez restauré votre iPod en 6.33, vous notez n'importe quoi, vous mettez anglais, allemand, français, on s'en fiche. Le tout, c'est ça le plus compliqué à faire. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Donc ensuite, voilà. Donc voilà. C'est tout pour cette petite vidéo sur iOS 7. Comment télécharger iOS 7 et comment l'installer et comment est l'iOS 7. Donc c'était Simucox sur la chaîne Goodross Gaming spécial Apple. Donc voilà. Donc la prochaine fois, on fera la petite vidéo, comme je dirais, sur Barrel, hein, qui a un logiciel qui est sur Cydia quand vous avez jailbreaké votre iPod. Je rappelle que vous ne pouvez pas jailbreaker votre iPod sous l'iOS 7.0 et sous l'iOS 6.1.3. Il faut passer sous l'iOS 6.1.2. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Je vous laisse et je voulais vous dire à bientôt sur ce fond de Bing. À bientôt.